Super expérience pour vous les amours. Hein. Et le courant passe très bien avec vos candidats, parfois trop bien d'ailleurs. C'est quoi cette histoire de dame qui vous a attendu légèrement vêtue dans votre voiture? C'est pas dans la mienne, dans la sienne. Ah, dans la sienne. Ah, c'est vous qui êtes allé la voir alors? Mais non, mais pas du tout. Racontez-nous, faut éclaircir ça. Mais non, mais c'était extraordinaire puisqu'elle est venue avec son mari sur le canapé des amours et j'étais toujours en deux roues, en moto. À l'époque, c'était à Brie-sur-Marne. Et donc, je sors avec ma bécane, voilà, des studios. Et il y avait la dame qui était sans son mari et qui était effectivement au volant, torse nu. Ne riez pas, c'est vrai, mesdames. Et son mari n'était plus là, ou alors il était dans le coffre. Elle s'en était débarrassée. Et je la reconnais quand même, je reconnais sa tête. Et puis j'avance, donc plus tu vois, plus t'avances. Donc il y avait derrière le volant, donc tu vois que sa tête. Et tu vois quand même qu'il y a les épaules qui sont dénudées. Et plus t'avances et que tu passes à côté avec ta bécane. Et donc tu l'as vue plongeante. Et elle fait: Jean-Luc, il faut que je vous parle. Et je lui ai dit: mais moi je peux pas, puisque j'ai mes enfants qui m'attendent et tout et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'était vous, son amour. C'est pour ça. Elle était venue vous voir pour ça. Bah écoute, jusque-là, elle est peut-être encore dans sa voiture. Elle est là pour vous aujourd'hui. Elle est peut-être encore dans la voiture. Elle a froid. Oui, habillez-vous, madame, quand même. Bienvenue à Brie-sur-Marne.